Jour 4 du Salon de l'agriculture de Paris, mardi 27 février 2024. Il est 9h30 et les autocaristes bretons sont bien représentés avec ici le S431DT des voyages Nicolas dans les Côtes d'Armor. Transarc. Ferron Voyage. Voyage Gautier. Savac Autocar. Les Cars Bleus. Coupri, Boubé Voyage, RGO Voyage, Voyage en Somme. Certains autocars restent plusieurs jours afin que leur groupe puisse profiter pleinement du salon. En revanche, dans les observations que j'ai pu mener, la majorité des autocars viennent pour un jour. On retrouve certaines compagnies qui reviennent plusieurs fois avec des groupes différents. Omé Voyage. Il est 9h45 et la circulation semble être plus fluide sur le périphérique parisien parce que nombreux sont ceux à arriver avant 10h ce mardi. Le parking est vite saturé et la rue à proximité sert rapidement d'espace de stationnement. Celle-ci est néanmoins très utilisée par d'autres véhicules comme des camions de transport d'animaux ou encore par des fourgons CRS. Grossin Autocar. Autocar douaisien. Richou Voyage. Taquet Voyage.
Voyage Bourmeau. Voyage Le Net. Carré Voyage Birs. Car Nedroma. Sauvé Tour. On remarque que dès qu'une personnalité politique importante est présente un jour au salon, des véhicules CRS occupent une partie des stationnements habituellement utilisés par les autocars. C'est le cas ce mardi avec la présence du Premier ministre et c'est la raison pour laquelle il y a plus de moyens CRS que le jour précédent. El Catour Voyage. Chaigneau Voyage. Autocar Delcourt. Voyage Le Monnier. Voyage Faro. Saint-Plon. Hangar Voyage. Le Relomonier Voyage. Cateau Voyage. Car Philippin. ECT. C'est ici que s'achève cette vidéo qui était consacrée au salon de l'agriculture et en particulier les autocars de tourisme qui transportent les voyageurs jusqu'à ce salon. C'était le 60e anniversaire, donc un grand salon, et c'était l'occasion aussi de te montrer comment c'est organisé au niveau des stationnements. Et comme tu l'as remarqué, c'est pas toujours facile, pas toujours évident, notamment au niveau du parking où tu dois slalomer entre les arbres et entre les autres véhicules, notamment si tu as des véhicules de longue longueur. C'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo. Nous on se retrouve dimanche prochain à 17h pour un nouveau reportage ou pour un quotidien magazine. Ou sinon rendez-vous à 8h lundi pour un nouveau podcast. Yenavo.